Bien bonjour à tous les amis des tatamis, c'est un plaisir non dissimulé de se retrouver aujourd'hui avec Anne-Laure Florentin et Jessica Hugues, tout juste médaillées au championnat d'Europe déjà. Bravo. Merci. À vous. Voilà, je peux applaudir. Tu peux. J'ai tu la peux, capacité de, physique de le faire. On en profite également pour féliciter tous les médaillés de l'équipe de France. J'ai presque envie de dire toutes les médaillées parce que vraiment, ça a été le girl power. Aucun enthousiasme. Un big up tout particulier aux champions Jordan, Vata et Lucie Ignace. Qui est reparti directement, elle a fait un Serbie Saint-Denis, donc à mon avis, choc thermique. Non, c'est bon. Ah, faisait bon, hein. Ok, très bien, reprenez-moi sur la géographie aussi en même temps. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est vraiment une vidéo tuto saison 2. Chacune va nous enseigner sa technique préférée qui est... Yokogiri. Thématique Yokogiri. C'est une vidéo Yokogiri. Katakombat Yokogiri. Quelqu'un veut lancer le jingle carrément, lancer le générique? C'est quoi le générique? Tu regardes la vidéo, vous pouvez les voir. Okay. C'est parti. C'est nul ça. Jessica Hugues, tu es médaille de bronze de kata par équipe avec Lila et Marie. J'ai fait du kata une fois avec l'équipe masculine. Dans ma tête, c'était ultra stylé. Après, j'ai vu les images. C'est pas stylé. J'ai l'impression que j'avais une crise de spasme. Je veux que vraiment ça fasse jaser dans les chaumières. Les gens ils disent genre waouh, c'est vraiment beau. Waouh, c'est vraiment beau. Waouh, c'est vraiment beau. Alors donc, ok, déjà si je... Pourquoi t'as répété trois fois waouh, c'est vraiment beau? Yokogiri, qu'est-ce que c'est? C'est un coup de pied tranchant. J'aime pas beaucoup le mot tranchant dans la phrase déjà, sache-le. Tu montes le genou et tu frappes. Ouais, sans l'orteil ouvert. Je sais pas pourquoi tu veux... Je contrôle pas ce muscle de mon pied. Il fait... lui, là, il vit sa vie. Il fait ce qu'il veut. Il passe. Je sais même pas comment tu fais. Regarde. Vas-y. Ouais, pas mal. Encore. Ouais, bien. C'est encore, bien. C'est bien, c'est bien. J'ai eu la fierté d'un enfant de 3 ans. Oui. J'ai dit, pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est très bien. Ici, tu viens ramener les bras. Et tu descends encore plus sur ta jambe. Attends, attends, tu vas tomber. Et Yokogiri. Avec... Oh. Voilà, doucement là aussi. Fort. Doucement. Ah, c'est une catastrophe. Tous ces objectifs ont été revus à la baisse au fur et à mesure. Tu dois associer un émoticône à ma performance. T'associerais laquelle? Vomito. Je n'ai pas les mots. Anne-Laure Florentin, troisième titre de championne d'Europe consécutif. Oh là là. Ça veut dire vraiment, les titres de championne d'Europe avec Anne-Laure, c'est comme un Marvel, tu sais que chaque année, tu y as droit en fait. Le Yokogiri, c'est une technique qui fait assez mal quand les filles viennent sur toi. Ça te permet de marquer 2 points, mais ça te permet aussi de montrer que sur le tatami... C'est qui le patron? Un petit peu, voilà. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste avancer d'un pas sur moi, ok? Comme ça? Moi, voilà. Oui. Ça fait mal. Ah, ça laisse une sensation, je dirais, revêche. Concrètement, il faut bien comprendre ce qui se passe. Je sers de punching ball. Exactement. Quand tu fais un Yokogiri, ton pied il doit être parallèle au sol parce que tu dois taper avec ton talon. Très bien celui-là. Ah, il est pas mal. Ah, vite, il était pas mal celui-là. Donc là, je vais t'en faire un vrai pour que tu vois ce que ça donne, ce que ça peut donner en compétition. Là, c'est un Yoko de compète que tu fais. On va essayer, ouais. Oh, c'est la puissance. C'est exactement comme Kanye West qui sort un livre de philo, tu t'y attends pas. Tu t'y attends pas. Et ça fait mal. Tu souffles et ça fait mal. Alors si tu devais associer une émoticône, une emoji à mon niveau, qu'est-ce que tu choisirais? Je mettrais d'abord celui-là, yes. Et après je mettrais celui qui est mort de rire. C'est bien mais c'est rigolo. C'est pas crédible. Bon, vas-y, on peut rester sur ce silence, je crois que ça veut tout dire. Les filles, merci beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde dans lequel on partage même pas son code wifi avec son voisin. Et vous, vous avez carrément partagé votre technique préférée. C'est beau, c'est cadeau, c'est tuto. Et vous aussi, vous pouvez lâcher l'emoji que vous associeriez à mes prestations. Allez, on se retrouve tout bien vite pour une prochaine vidéo. Topette. C'est un double. Non, tu sais quoi? J'ai vraiment cru que... Ouais, je les connais, les petites blagues là, de karaté, là, de mettre un petit coup comme sans douce.